Bon Dieu béni, nous servons de serviteurs, bon Dieu. Yo. Amen. Moi, je suis content pour me lancer ensemble avec nous, pour nous partager la parole du Seigneur. Je me sens mon joie en dedans que moi, pour me lancer ensemble avec nous. Pas oublier si j'ai domine au milieu de tes ennemis. Domine au milieu de tes ennemis. Nous disons que Elmi que nous gagnons, bon Dieu, et pas Elmi, bon Dieu, tout bon Dieu, qui était là même. Pour que Benoît, nous t'a dit, pour bah nous check-up. Bon Dieu, qui était Elmi, ça a bon côté nous, pour l'apprendre, nous gagnons confiance dans bon Dieu, pour nous pas trop à l'aise. Gagne Elmi, c'est nous-mêmes qui pouvons faire comme qui est bon Dieu, l'el tel m'a attaqué nous, et puis lui, ouais, Jean bon Dieu, délivre nous. Li konnen gon bon Dje. Ouvè Bibou avèk mwen se nan Daniel chapit premye, verset 8 à 13. Daniel chapit premye, verset 8 à 13. Merci beaucoup, servante. Verset 8 à 13. Daniel résolit de ne pas se souiller par les mains du roi et ne pas des vins dont le roi buvait. Il pria le chef de Enik et n'est pas obligé de se souiller. Dieu fit trouver à Daniel la faveur et grâce devant le chef de Enik. Le chef de Enik dit à Daniel, j'ai craint mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposerez ma tête auprès du roi. Alors, Daniel dit à l'intendant à qui le chef des Eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Ananias, de Michaël et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on vous donne des légumes à manger et l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage, celui des jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs après ce que tu auras vu, parole du Seigneur. Mais du ciel et de la terre, parlez avec Pépoua, parlez avec servante ou yo, parlez avec serviteur ou yo, parce qu'il y a besoin de parole ou. Parole qui bat la vie. Parole qui transforme le monde. Seigneur Dieu Tout-Puissant, parlez avec chaque monde qui va attendre vidéo ça dans YouTube. Il va transformer la vie. Seigneur, mettez parole, dans la parole qui ouvre l'étendue. Parole qui bat liberté. Parole qui délivre le monde. Parole qui casse les chaînes. Parole qui se yon épée à détranchant. Que autant de paroles ça. Si là où qui n'enchaîne. Pour chaîne yo brisé. Si là où l'éternel des armées qui s'esclave, qui a trouvé liberté. Si là où l'éternel des armées qui est en prison, votre prison yo va péter et yo va sortir au nom de Jésus que nous prions. Amen. Amen. Domine au milieu de tes ennemis. Pour dominer au milieu de tes ennemis, gon bagay pour faire. Et puis, gars, aucun n'a oublié ça me dit là. Pour dominer au milieu de tes ennemis, pour tailler elmi ou yo en pièce, pour yo tourner ti banque auto, ou longer pied, ça pour faire, c'est pour marcher dans la sanctification. Sou pas marcher dans la sanctification ou pas porter victoire. C'est elmi qui a dominé, mais c'est pas ou même qui a dominé parce que ça qui baille Satan le diable,
ça qui bail les démons, ça qui bail mauvais esprit pauvre à sous vous, c'est péché. Alors, l'homme qui péché dans la vie, l'homme qui péché qui vit dans la vie, laisse tourner esclave, Satan le diable. On esclave pas qu'à dominer sous mettre lui. Parce que qu'on y a, l'on pratiquer le péché, Satan, c'est le vin mettre ou. Ou pas qu'à dominer sous mettre ou. C'est mettre la cap. C'est mettre ou qu'à dominer sous ou. Alors, si vous menez la vie qui sanctifie, c'est votre serviteur, mon Dieu. C'est Jésus-Christ qui met tout. Et Jésus-Christ, parce que c'est lui qui met tout, Satan, c'est Elmion. Et on va dominer sous lui. Daniel qui recevra, jeune garçon en tant que monsieur qui sortit dans la famille en Juda, il connaît. Gè manje moun pa manje, gè brason moun pa bre. Depi se juif ke ouye, ou pa manje manje ki sacrifie aux idoles, ni ou pa bre divin ki sacrifie ki donne aux idoles, ou pa mêlé nan bagay idolâtrie. Depi ou mêlé nan bagay idolâtrie, la présence du Dieu tout puissant pa ka fonctionner ensemble avec ou. Alors Daniel connaît, c'est vrai ni en Babylone. C'est vrai, il a mis sous responsabilité Nebuchadnezzar, le roi le plus puissant de la terre. Je me connais. C'est vrai, il connaît. C'est vrai, il n'est pas en Jérusalem. C'est vrai, c'est en Babylone qu'il y est. Mais il connaît bon Dieu tout côté. Il connaît bon Dieu tout côté. Le même Daniel, Ananias, Michael, Azalia, yo prend décision, yo pas manger aucun viande que wa voye pour yo, ni yo pas bre aucun divin wa voye pour yo. Yo vle kebe ko yo pi, yo vle kete pour yo vivre de la sanctification, yo vle mener la vie qui sanctifié. Oui, yo en Babylone, pas oublier en Babylone, yo servi tout qualité faux Dieu qui gagne. En Babylone, il a servi tout faux Dieu qui gagne. Alors Daniel, Azaria, Ananias, ils reconnaissent ça et ils prennent décision eux-mêmes. Ils ne peuvent pas manger dans les rois. La Bible dit, suivez bien ça, la Bible dit, Daniel prend décision pour ne pas manger en qui manger les rois. Là, il parlait avec moun qui est responsable. Li dit, nous ne pouvons pas manger, manger. Bah, nous manger légumes avec de l'eau simplement. Alors, le chef énigme qui est responsable a dit comme ça. Mais si nous connaissons, si nous ne pas manger, manger, et puis, wa ta gade li wè figi nous pas frais. C'était pas mis à couper. C'était pas mis à couper parce que figue nous pas frais. Mais Daniel qui connaît avec mon Dieu capable de transformer parce que c'est mon Dieu qui est responsable. Tout bagay, Daniel dit, bah nous yon délai de 10 jours. Pendant 10 jours, papa nous manger, manger qui sorti, viande qui sorti la kaywa, papa nous divin qui sorti la kaywa, bah nous simplement. Le game avec l'eau, après 10 jours, ou regardez nous pour qui est-ce que nous y est. L'eau prend décision pour marcher avec mon Dieu. Tout bagay qu'on t'a manqué, mon Dieu fait pour vous, et ça te fera dominer au milieu de tes ennemis. Parce que Daniel dit, la chercher mon Dieu, la menon la vie qui sanctifie avec mon Dieu, servant, serviteur, mon Dieu, yo. Daniel, pourquoi même recevra le don pour interpréter rêve. Mais dans marcher dans la sanctification, l'autre marcher dans la sanctification, vous recevrez appel, mon Dieu. C'est la sanctification pour recevrez la vision, mon Dieu.
C'est dans sanctification pour recevoir appel, mon Dieu. C'est dans sanctification pour recevoir mission qu'on vient faire sur la terre. C'est dans sanctification. C'est dans vivre dans la sanctification qui fait prière ou capable efficace. C'est vivre dans la sanctification qui fait message ou capable édifier le monde. C'est vivre dans la sanctification qui fait chant ou chanter, capable bénir le monde, capable édifier le monde. C'est vivre dans la sanctification. Oui, la Bible est dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Mon Dieu saint. Mon Dieu voulait pour le monde qui a marché avec lui, pour le saint. Pour porter victoire sur Satan, le diable, pour porter victoire sur le démon, pour porter victoire sur la loi, pour porter victoire sur tout ennemi qui levé contre vous, ou même responsabilité, c'est pour marcher dans la sanctification. Et ça qui fait en tant que chrétien, pour ce monde qui est intelligent, en pile, en pile, en pile, en pile, en pile. Je vais répéter là encore. En tant que chrétien, faut ces monde qui intelligent en pile. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 4 verset 3, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous absteniez de l'impudicité. Ça bon Dieu voulait la caillou, c'est pour son monde qui sanctifie. Loro ou marcher là, vous sanctifiez, vous mettez dit elle ou yo avancer. Parce que l'Éternel a fait tourner, yo boucan di fait, la fort tourner, yo flamme di fait, tout monde qui maillon, il a boulé, leur a vivre dans la sanctification. La volonté de Dieu même, c'est pour tout le monde qui a marché avec mon Dieu, pour marcher dans la sanctification. La Bible dit, c'est ça mon Dieu voulait, ça mon Dieu voulait, c'est pour nous abstenir, c'est pour nous courir de l'immoralité, c'est pour nous courir de l'impudicité, c'est pour nous courir de plaisir la chair, c'est pour nous courir contre médisant, c'est pour nous courir contre péché, parce que ça mon Dieu voulait pour vous, c'est pour vivre dans la sanctification, pour capable de dominer sous elle. Sou se moun ka pale moun mal, ou pa ka domine sou elmi. Ou se moun ka fè menti sou moun, ou pa ka domine sou elmi. Ou se moun ki gen hèn nan kè ou kont lòt moun, ou jalou de lòt moun, ou pa kapab domine sou elmi. Domine au milieu de tes ennemis. Pour dominer au milieu de tes ennemis, fò ou mèm la vi ou droite. On pral wè sa nan la vi Daniel. Non! 1 Thessaloniciens 4, verset 7, il dit, car Dieu ne nous pas appelé à l'impureté, mais à la sanctification. Appelle mon Dieu, relo pour vivre dans la sanctification. Non simplement volonté, mon Dieu, pour vous, c'est pour vivre dans la sanctification. Appelle mon Dieu pour vous, c'est pour vivre dans la sanctification. Pour capable de dominer. Sous elle, il ne faut pas suivre dans l'immoralité, dans la malpropriété. C'est pour ne pas vivre dans le péché. Je vais me répéter là. C'est pour ne pas vivre dans le péché. Si par accident, ou tu as commis un péché, c'est pour repentir tout de suite. Parce que bon Dieu, pas mêlé avec saleté. Lumière, pas mêlé avec fait noir. La sanctification. Pour dominer au milieu de tes ennemis, c'est pour mener une vie qui sanctifie. Non simplement pour mener une vie qui sanctifie, mais la Bible dit dans Jean chapitre 17, verset 17, Jésus dit, sanctifiez-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Lorsque les gens qui dominent au milieu, dans le temps, ils vont dominer sous elle-même, il faut vivre selon la parole de Dieu. Faut vivre selon la parole de Dieu. Faut vivre selon la parole de Dieu. Je vais me répéter là encore. Pour dominer au milieu de tes ennemis, pour dominer sur elle, nous, pour retourner tibon quand on longe pied, pour tailler en pièces, faut son monde qui vivre selon la parole de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 26, il dit afin de la sanctifier par ta parole, après avoir purifié par les baptêmes d'eau. La parole pour marcher, pour dominer sur elle-même, il faut son monde qui a pratiqué la parole. Son monde qui a vivre selon la parole de Dieu. Et ça pour faire dominer sur elle-même. Parce que la Bible dit Dieu est fidèle et juste. Dieu est fidèle et juste. Parce que
Bon Dieu son juste qui juste qu'elle y est. Laurent toi l'abdou en toi, l'abdou a raison parce que bon Dieu pas jamais faire périr l'innocent parmi les coupables. Non. Domine au milieu de tes ennemis, servante. Domine au milieu de tes ennemis. Pour dominer au milieu de tes ennemis, faut vivre dans la sanctification. Faut vivre selon la volonté de Dieu qui est la parole de Dieu. Dans Hébreux chapitre 12, verset 14, il dit, la Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous. Ou pas qu'à faire contact ou dans goumé avec moun, ou dans jouer ou dans le verre dans l'air. Non, c'est où abdominé sous. D'ailleurs, ça te fait dans le verre sous parce qu'elle m'y abdominé sous. Ça te fait un head dans le cœur parce qu'elle m'y abdominé sous. Mais là, c'est où qui abdominé sous elle m'y ou vivre selon la parole de Dieu qui est la volonté de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. Alors Daniel comprend nan ko pa qu'elle pral entrer là al vivre nan palais roi quand elle pral faire face avec toutes les magiciens toutes les enchanteurs toutes les astrologues li pral vivre avec yo li comprend vivre avec les sa yo pour capable dominer sur yo ou pral wè ça dans la vie Daniel faut Daniel vivre dans la sanctification et ça qui faut après premier bagage Daniel mante c'est pour pas sous uniforme avec manger roi c'est pour pas prendre plaisir dans affaire roi pas oublier ces jeunes hébreux que yo yé ça veut dire que tellement avantage qui gros avantage pour un monde gayé pour mettre mon responsable pour prendre soin pour aller travailler avec quoi c'est pas n'importe qui roi mais Nebuchadnezzar le roi plus puissant sur la terre on peut travailler avec elle pour la volonté de Dieu. Daniel dit pas manger ça, Michael dit pas manger ça, Ananias dit pas manger ça. Mais je ne pas manger ça. Je ne pas manger roi. Parce que yo sacrifié aux idoles. Je ne pas manger ça. Je ne pas faire ça. Pour ne pas perdre l'appel que mon Dieu est sous la vie. Et pas des gens qui perdent l'appel que mon Dieu est sous la vie. Yo, y a le prendre en perlin diabolique. Y a le prendre en perlin satanique. Et ça qui fait, oui, et ça qui fait, la Bible dit à Salomon, l'homme plus sage que tout le temps, lui dit, regardez pour moi. Les princes sont à pied et les esclaves sur le chevaux. Ou perdit appel ou, l'on va vivre de la sanctification, ou perdit appel ou perdit mission qu'on te gagné sur la terre, ou te battre la terre, ou perdit li. C'est où tout l'esclave, c'est où tu te dominé sur elle, parce que pour yon ti avantage, terre à terre, ou perdit yon gros bagay, même chan à fait. Et ça ou qui vend doit de Nestlé pour yon plat manger. Gen pile nan nous vend appel mon Dieu gen sous la vie nous pour yon plat manger. Et pour ta gros maman causé qui ta paraît en nous perdit avantage là. Gros maison ta paraît en nous perdit bagay là parce que nous pas katan. Domine au milieu de tes ennemis. Pour dominer sur elle, c'est pour vivre dans la sanctification. C'est pour vivre dans la sanctification. Mais non la vie qui a pas. L'on vit dans la vie qui a pas. Ou medi el mi ou yo avancé. L'on mené yon la vie qui sanctifié. Ou medi el mi ou yo avancé. L'Éternel a quitté tout ta et tout en pièce. Dans Jean Somme 118 dia. Yo mettre tout haut comme miel mais yon qui pour mourir que coup dit fait qui prend en paille si on marcher dans la sanctification. Bon Dieu chercher moun, bon Dieu chercher moun qui marcher dans la sanctification. Les moun a marcher dans la sanctification, appelle bon Dieu, la présence de Dieu tout puissant ensemble avec eux. Bon Dieu pas refuser aucun bien à moun qui cherche. Gardez vieux pour eux. Ou même qu'a coûter partout sous la terre. Regardez, vieux pour valer bagay ou pédi. Pour un plat manger. Pour un plat manger. Pour un plat manger, ou pédi appel ou pour un plat manger. Ou pédi destiné ou pédi destiné ou pour un plaisir, vieux plaisir. C'est pas dépasser
perdi mission yo parce que yo pas ka résister quand on parle une jeune fille te parler pour yo et pas des jeunes garçons qui perdi appel yo parce que yo pas capable kembe pour un petit moment yo perdi appel que mon Dieu te gen sous la vie yo parce que y a commettre yo erreur qui est là ou veut montrer nous toujours parce que nous connaissons selon bon Dieu premier petit selon la loi de Dieu. Premier petit, c'est lui qui a tout, tout plus gros bien. Papa a gagné, c'est lui qui doit gagner. Je débat en trois cas dans tout bien, parce que c'est le premier petit. Mon connaît. Oui, mais il n'est pas capable de faire résister. Dieu l'a dit. Il n'est pas capable de résister. Quand tu n'as pas qu'il bine, papa, lui, ça fait le perdre toute destinée famille. Vous me gardez dans toute l'histoire. Les juifs, vous pas jamais jouer une famille rimée. Vous n'avez pas jamais juge, pas jamais prophète, pas jamais prêtre. Vous pas jamais rien parce que simplement, vous perdez l'appel là. Je nouveau recette. Un petit bagage, il faut perdre l'appel. Un petit bagage, il faut perdre l'appel. Retourner. Camper sur un mauvais pas ou sur un mauvais route. Camper sous mauvais route là, camper et puis prendre exil pour retourner prendre route encore. Route quand on te connaît, bon Dieu t'est en loin. Appel que bon Dieu t'ai dit là. Côté bon Dieu t'ai dit là en loin, ou on perdit exil là, ou tomber dans la confusion, ou qui te plaisir faut tourner, tomber dit appel là. Camper et retourner vivre dans la sanctification pour retrouver appel bon Dieu sur la vie. Domine au milieu de tes ennemis. Pour dominer sous elle, nous ne pouvons pas trouver. Il faut vivre de la sanctification. Pour ne pas prendre un poison, il faut vivre de la sanctification. Pour ne pas prendre un coup de poudre, il faut vivre de la sanctification. Pour ne pas prendre une expédition, il faut vivre de la sanctification. Lorsqu'on monte à vivre de la sanctification, oui, il faut dominer sur tout ennemi qui l'éveille contre tout. Tout ennemi qui l'éveille contre tout. Il te met sorti en cimetière, sorti en bas de l'eau, il sorti dans les airs. Quelqu'un soit sous forme qu'elle vit, au nom de l'Éternel, il va pailler en pièce parce qu'il va vivre de la sanctification. Pour déjà chercher le monde qui vivent dans la sanctification. Vous d'accord? Il y a pour dominer. Pour dominer, il faut vivre dans la sanctification. Pour dominer, il faut vivre dans la sanctification. Vous pouvez aller au monde qui vivent dans la sanctification. Ou après qui j'en y a dominé. Ou après qui j'en y a bien aimé. C'est vrai, elle m'y levé contre vous. Mais ou après, c'est toujours une bataille là. Parce qu'il y a vivre dans la sanctification. Vivre dans la sanctification. Pour qu'il y a toujours une bataille là sur elle. Que mon Dieu bénisse nous. Amen. Amen, on dit mon Dieu merci pour belle parole ça à soi. Tu veux pour nous canal serviter nous. Et connaît chaque lundi dans les sandwich nous serviter encore pour faire belle parole ça yo. On dit mon Dieu merci et encore à mettre vraiment pour nous capable vivre. On mettre elle nous yo pour nous sincère avec bon Dieu pour protéger la vie nous. Et encore un moment encore vendre frère Sadrak. On va parler encore